Bonjour à tous et bienvenue à vous dans l'épisode 2 de la saison 5 de Monsieur Elvidia Jones. Alors, on reprend exactement là où on s'était arrêté la dernière fois, donc vous vous souvenez de l'espèce de petit jardin suspendu là. Alors, on en était là. Là, je vois qu'il y a de la laine. Alors, la laine, j'ai le droit de la cramer. La briquer. Tac, c'est un peu le bordel dans mon sac. Alors, cramons cette laine. Cramons cette laine, voir ce qui s'y cache, et ensuite on va pouvoir commencer à monter dans ce petit temple qui m'a l'air très sympa. Alors voilà, on voit qu'il y a un coffre. Alors j'espère que vous n'entendez pas le bruit des voitures à côté. Allez, je vais... Est-ce qu'il y a de l'eau au cas où? Non, bon, je vais attendre. Allez, crame. En même temps, on s'en fout, on peut passer. Voilà, oula. Alors, j'ai une armure en maille. Est-ce que j'ai déjà... Ouais, je vais la mettre. Voilà. L'armure pourrie, je sais pas si je vais la garder. Je pense que je vais faire un peu le tri de ce que j'ai dans mes sacs, là. Est-ce que c'est un passage, ça? Non. Alors. Qu'est-ce que... Non, je vais tout garder, parce que bon, ça, je vais peut-être pouvoir le virer. Voilà. Allez. Donc, on en était là. Et ben, écoutez, je vous propose de faire un tour. Je vais faire le tour, déjà. Voir si j'ai pas d'autres petites laines ou d'autres petits trucs à trouver comme ce que je viens de découvrir. Alors on va faire le tour. Tac. Ok. Ok, ah, il y a de la glaise. Je sais plus si je crois que j'ai le droit de la... Oui, j'ai le droit. Donc, j'ai bien fait de faire le tour, il y a un coffre derrière. Ça c'est cool. Alors c'est cool, mais j'ai plus de... Alors attends, j'ai un seau d'eau, donc ça je vais peut-être le prendre absolument. Ça je m'en fous. Et ça c'est pour me faire du pain. J'en ai déjà pas mal du pain. Ça je vais le virer à la laine, je pense que j'en ai pas besoin. Voilà. Ok. On va repasser devant. Alors là on voit qu'il y a une espèce de bout de bois qui flotte. On va repasser devant. Je vais prendre mon épée parce que je suis en normal. Je vérifie. Oui. Et voilà, on est parti. J'ai toujours pas mis de timer, donc je vais le mettre tout de suite. Mon assistante doit aller me chercher mon téléphone portable. Il doit être là-bas, ouais. Allez, je mets le timer tout de suite. Excusez-moi de ne pas bouger. Comme ça, ça sera fait. Alors, tac, hop là, c'est parti. Ok, on continue donc. Alors, on voit que là, tout de suite, quand on monte, on ne peut absolument rien faire. Alors on va essayer de trouver l'entrée, si possible. Oula, j'ai eu un gros lag énorme, excusez-moi si ça a lagué. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau, d'accord. Ok. D'accord, très bien. Est-ce que ça serait... Ah oui, ça je peux ça, vu qu'ils sont éteintes. Je peux les casser. Est-ce que ça serait l'entrée du coup? Oh. Oh putain, j'ai flippé. Donc j'ai flippé, je m'attendais pas du tout à voir une araignée là. Donc voilà, ça c'est fait. Le flip dans l'épisode, check, ça c'est bon. Alors on va continuer, du coup j'ai cassé ça, je suis vraiment désolé, c'était pas voulu. Est-ce que c'est de la laine que je peux cramer ou c'est juste un banc ça? De toute façon je peux passer à travers, je suis un peu con, voilà. Donc ça je peux le tailler. Alors taillons-le, il y a un mob spawner d'araignée, sauf qu'il est éclairé donc je pense qu'il va spawn que dalle. Alors là dedans il y a quoi? Là on a une torche de redstone. Je commence à avoir beaucoup de choses dans mon inventaire là. Ce que je vais faire c'est ça, je vais le virer comme j'ai une pelle en fer. Ok. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Moi je sais... Ah oui, il y a une échelle. Alors, je prends mon épée et ça, je vais foutre la torche par là pour que ça l'ouvre. Voilà. Donc nous avons un labyrinthe de feuilles. Ça change, c'est cool. Ça, comme ça, on peut voir un petit peu à travers. C'est plutôt une bonne idée, je trouve.
Ça fout un peu moins la gerbe et encore, je sais pas, parce que je sais à savoir combien de temps je vais rester là-dedans. Tac, donc on essaye d'aller au plus vite pour ne pas perdre de temps. J'entends des mobs qui marchent. Alors voilà. Ok, donc c'était plutôt cool. J'espère qu'il n'y avait pas de coffre que j'ai oublié. Là-dedans, il y a quoi? Il y a du jump vers l'infini et l'au-delà. Lol. Allez, on est parti. On va essayer de faire ça. On va essayer de le faire bien. Je peux sauter là? Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater. Est-ce que je peux? Oui. Bon, là, il y a de la lave, mais c'est des petits sauts. Il a été cool. Donc, c'est cool. Alors, du flint, un diamant, de la glace. Alors, de la glace, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter. Putain, je sais pas quoi jeter là. Attends. Je vais jeter des trucs. Quoi? Je vais manger un pain. Tiens, tac, ça me refoutra à fond. Je pourrais prendre la glace et le lingot de fer, c'est ok. Ouais, c'est un peu le fouillis dans mon inventaire, je vous l'accorde. Alors, je vais essayer de sauter là et de pas fail, voilà. Là, on a de la laine, donc je suppose que on peut y aller. Gentiment. J'entends des araignées derrière, je vais tout de suite prendre mon épée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais échanger avec l'épée en fer. Voilà. Tac. On a encore de la laine derrière. Alors on est parti, on fout le feu à tout ça. Et de la glaise derrière. Très bien. Alors. Donc ici j'ai tout pris, hein. Là il y a de la lave. De toute façon, là-bas il n'y a rien. Ok, c'est parti. Écoute, là je te propose de t'éteindre. Et je vais prendre ceci. Voilà. Et nous allons donc pouvoir. Putain, j'aime pas ça parce que. Ouah, la vache! Ah ouais, non, il y a du monde là. Là, il y a du monde de monde là quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais laisser venir. Et là, j'ai une petite protection individuelle. Allez, dégage ça. Et je vais essayer tant bien que mal d'éclairer le spawn. Voilà. Je vais les avoir comme ça. Je me décale. Je fais un peu le PGM. Voilà. Voilà, vache, on avait de caché. Ok, là on reste concentré 2 minutes. Là. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il vient pas, l'autre connard, il est bloqué, je crois. Il est bloqué là-bas. Que je vais faire, c'est que ça tombe d'en haut, dis donc. Alors lui, je sais pas pourquoi il m'a pas, mais je vais. Oh, des gars, quoi. Ouais, je tape avec de la glaise, c'est pas très cool. Ok, alors je vais pouvoir mourir, je crois. Alors attendez, je me concentre. Pourquoi est-ce qu'il spawn encore ces cons là? Est-ce que je peux le tuer vite fait, lui? Il est où? Il est tombé tout en bas. D'accord. Alors je regarde vite fait. Il y a là de rien à voir en dessous les mobs spawners. Et là franchement il m'a donné vraiment beaucoup de trucs à chaque fois quoi. Ouais ça je m'en fous. Ça je sais pas si je m'en fous en fait. Donc ça on va le laisser là. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'items. Et du coup ça chamboule un peu tout. Donc je vais bouffer un pain déjà. Donc ça on s'en branle. Ok hop. Un pain. Du coup, je peux en prendre du fil, mais bon, ça me servira absolument à rien du fil. C'est pas grave. D'accord, donc ça c'est fait. Et nous allons donc descendre cette immense échelle. Et voir ce qui nous attend en bas. J'espère qu'il n'y aura pas de 50 milliards de mobs spawners. Faisant bon usage. Donc, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de d'items. Genre le mec qui se plaint qu'il a trop de stuff. Ouais, non mais c'est pas cool ça. C'est pas cool. Est-ce que je vais pouvoir me la faire comme ça? Bien sûr, non, je ramasse les mauvaises, voilà. Ok, donc là j'ai encore des flèches. J'ai un levier, ça j'en avoir besoin, je suppose. Ça j'en ai déjà un, ça j'en ai déjà une. Je vais laisser les cookies. Je vais prendre un casque, je vais laisser ça. Ça, je m'en fous. Je vais prendre ça. Voilà. Donc là, comme ça, on a bien fait spawn à l'intérieur. C'est nickel.
je vais m'en prendre plein la gueule. On va poser ça là et on va y aller. Alors ça, vous voyez, j'aime pas du tout. Il me semblait. Il va y avoir plein de monstres dans la salle. Là, là, là. Ouais. Allez. Putain, mais dégage toi. Allez, ça va. Oh oui, d'accord, il s'est gavé en petit bonheur là. Là, il y a du gavage là. Oh la vache! Oh non, non, c'est chaud là, c'est chaud, faut que je me barre, faut que je me barre, faut que je me barre. Vite, 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 allez, dégage, 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 dégage. En plus, je suis un malade mental parce que moi j'y vais et je mets même pas de bouffe dans mon inventaire. Alors, je vais poser le gâteau par terre tout de suite. Ça me prend un point de chute. Genre, hop, voilà, je vais tout bouffer, voilà, comme ça, c'est nickel. Je me fous du pain, je me fous du pain. Et j'ai que du pain, c'est génial. Ouais, non, c'est chaud là. Là, c'est vraiment chaud. C'est vraiment trop chaud. Allez! Faut que j'aille là. Ah, je vais essayer de me la faire là. Ils vont se tuer entre eux, ça va être génial. Je sais pas quoi faire en fait. Là, je vois qu'il y a un levier là, c'est quoi ce levier là? Putain, c'était où Ned là? Je vais à l'arrache, je vais manger un pain. Voilà. Allez, on est parti là, allez, allez, allez! Allez, mais lâche-moi, 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 lâche-moi. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Allez, on va torcher le terrain, voilà. Eh bé! C'était showtime! D'accord, en fait dans la salle des sauts, fallait absolument... Ah, j'entends... Une petite araignée! Voilà, c'est parfait, dégage. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre mon épée? Allez, viens là toi. Genre elle me fait des feintes et tout. Allez! Donc d'accord, voilà. Donc j'ai déjà un feu, je vais en reprendre un. Je vais prendre de la redstone apparemment, ça pourra peut-être servir. Le poisson, je vais le bouffer. Ça je m'en branle, voilà. Ok, donc ça, ça sert je sais pas à quoi. Et en fait, bah c'est simple, c'est-à-dire que là où il y avait du jump, il y avait de la laine noire, je l'avais vu. Mais je pensais que c'était juste pour le décor. Et en fait, non. Donc on va y retourner, espérant qu'il n'y ait pas de squelette qu'on pop. Merci. Et la lave, ouais. Alors attends, hop, on va se la faire tac et tac. Ok, alors moi je vais bouffer un truc. Genre le poisson, on l'aime bien, ça va bien le faire. Tac. Et on est parti en bas. Alors on va mettre le feu à tout ça. Ok. Faut quand même que je fasse gaffe à ne pas mourir comme un con. Donc je vais monter là-dessus moi. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? Tac, tac. On a un passage. Attendez, parce que je vais me cramer le cul là, je crois. Oh putain, ça pue ça. Ça pue grave, ça. Je vais attendre un peu quand même, hein, parce que ça, je sens pas ça. Je me mets en 11 nuke. Ok. D'accord. Alors en fait, donc là, je vais commencer par changer mon armure. Tac. Le pantalon, je le vire. Les pompes. Je vais virer ceci. Et je vais prendre ceci. Et les pompes, pareil. Voilà, j'ai une armure de warrior. Alors je sais, je vais les ramasser en tombant. Voilà, comme une merde. Ok, donc nous avons rien. Donc je suppose que c'est par là que ça va se passer. On va l'aider un peu parce que c'est un peu long. Voilà. Alors. Ah non, fallait pas que j'éteigne. C'est encore de la laine. Il aime bien la laine, hein, notre ami créateur de map, que j'ai oublié le nom, parce que ça fait une semaine que je suis parti en vacances. Je m'en excuse, je crois que c'est My36 quelque chose. Désolé pour le pseudo. Alors, nous avons ici du feu. Voilà, allez, on éteint, on peut pas. D'accord, bon, on va attendre. Est-ce que j'y vais comme ça? Non. Si, ah si, j'ai un pseudo remarque.
J'ai un seau d'eau, remarque. Je crois, oui. Donc ça, on s'en fout. Je vais caler un coup de seau d'eau pour que ça éteigne. Voilà, parfait. Ok. Deuxième bloc perdu. Je me souviens plus là, attends. Je sais plus s'il faut que je fasse le foutre le feu ou pas. Bon, il fout le feu. Ouais, je crois qu'il y avait une histoire de bloc perdu, mais je m'en souviens plus. Bon, alors hop, on va cramer ça. Allez, wopopo! Allez, crame, petite laine, crame. Bon, bah on va y aller comme ça hein, parce que c'est un peu chiant. C'est un peu long. Oula, ça pue un peu ça. Tac, ok, allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une grande échelle avec des torches qui nous conduit vers dehors et c'est la nuit, je crois. Oula, il pleut. Et c'est la nuit. Alors, il y a un archer là-haut qui m'a vu. Sûr, sinon c'est pas drôle. Allez. Allez, mais ça va! Oh! Ouais, bon, on s'en fout. Je suis les torches. Il y a un creeper. Bon, lui, je sens que lui, je vais me le prendre dans la gueule. Allez, on se la fait à la Michael Jackson. Je trouve que c'est ça. Voilà, hop, il a explosé. Lui, il est en train de cramer. Dégage. Allez, 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 cramez, bande de merde. Allez, allez. Cramez, cramez, cramez. Allez, on crame, on crame. On crame, on me fait pas chier. Allez! Là. Ok, excusez-moi pour cette gueulante. Mais les squelettes, je commence à ne plus pouvoir les voir. Ok, donc on en continue. J'ai vu qu'il y avait un creeper par ici, je crois. Je me redresse dans mon fauteuil pour jouer en mode PGM. Alors là, je suppose que j'oublie 10 milliards de trucs. Creeper. Voilà, reste là comme un con. Allez, reste là comme un con, j'ai dit. Voilà. Allez, on continue. Il y a les torches par ici. Alors, je suppose que j'ai dû oublier des trucs, hein, mais bon. À la limite, c'est pas grave. On continue, on suit les torches. J'ai eu du bol qu'il fasse jour quand je sors quand même. Ok. Je jette un petit coup d'œil au timer. Je me suis trompé, s'il y a un creeper, je suis mort. Voilà, ok. Encore 3 minutes. Tac, tac, tac. Voilà. Pourquoi est-ce que je mets un timer? Pour éviter d'avoir des vidéos trop longues. Voilà, toi tu vas cramer tout seul et tu vas me faire chier. Voilà. Je continue à suivre le chemin de torche. Et nous arrivons à un joli chemin en bois et avec un superbe volcan là-bas. Alors on va voir ce que c'est que ça. Il y a un coffre avec des barques, j'en ai déjà une. Ce que je vais faire par contre, peut-être. Je vais laisser ça qui me sert à rien, je vais prendre une autre barque parce que ça se détruit assez facilement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Volcan, souvent en éruption, prenez garde. D'accord, très bien. On va se prendre notre petit bateau. Ça, on va le jeter. Et on est parti. Allez. Ok, ça va toujours dans le mauvais sens. Voilà. Donc, je me dirige vers ce petit volcan, ma foi, de terre. Et on va voir ce que ça donne, quoi. Je suppose qu'il faut faire un peu de jump sur le Netherrack ou pas. Je vais y aller sur le côté, moi. Ouais, je vais sur le côté plutôt parce que je le sens pas cette histoire. Je sors de mon bateau qui s'envole. Et je vais me la faire sur le côté. Comme ça. Avec une épée en main. Tac, on va arriver au sommet de ce volcan. Voir ce qu'on peut y trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Waouh! D'accord, je vois des torches là-bas, je suppose que c'est par là qu'il faut aller. Alors je vais marcher là-dessus parce que ça fait un peu peur, voilà. Donc ici on alterne de la poudre de... enfin du... je sais plus comment ça s'appelle là. Le truc des morts là, je sais pas quoi là. Voilà. Et bien écoutez, sur ce je vais vous laisser là, sur ce nouveau biome volcan. Voilà, un épisode assez sympathique où malheureusement on a quand même eu pas mal de mobs spawners, mais bon. On verra pour la suite comment ça va se passer. Le prochain épisode, et bien écoutez, on va faire en sorte de ne pas mourir dans cette lave immonde et arriver dans le biome volcan, voir ce qui s'y cache. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à très très bientôt et je vous remercie énormément de m'avoir regardé.
Et bah continuez à jouer à Minecraft, c'est cool. Et bonne journée à vous. Ciao tout le monde.